Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. N'a pas rappelé tout simplement et gagné juge cap mené enquêtant sur la mort. Mon frère Doval là qui gagne 8 moun là li invité pour répondre à question ni parmi moun sa yo nous capable citer Martin Moïse qui c'est madame président Jovenel Moïse, gagne Guichard Doré qui c'est conseiller Jovenel Moïse, gagne quelques avocats Courier Gerbi Blaise, Renault George, Robinson Pierre-Louis qui c'est secrétaire général à Bao, avocat Port-au-Prince, gain Joseph Jout, ancien premier ministre de facto avec Aramik Louis qui c'est cousin défunt. Moun sa yo ta doué paraître entre 1er et 21 juin qui a venu là pour répondre à question juge qui a mené enquête sous dossier la mort Montferrier Doval. Nous pralé dans dossier protestation paysan dans localité Mopey tout réponse sondé bloqué route nationale numéro 1 hier lundi 24 mai 2021 dans l'idée pour forcer responsable ministère de l'agriculture bayo de l'eau dans canal yo pour capable poser jardin yo. Mouvement ça c'est résultat manifestation paysan été organisé 1er mai passé pour même revendication sila yo. Mouvement protestation sila été bloqué route nationale numéro 1 pendant toute journée côté ni machine ni motocyclette pas capable de traverser. Plus de détails à collaborateur nous 1100 qui était dans la zone. Bien bonne matin lundi 24 mai 2021, route nationale numéro 1 bloquée au niveau Mopey, Vallée la Tibonite, pour dénoncer l'autorité mandat fini, yo dit qui te promet yo qui va jusqu'à dans la drain. Paysan planté yo fait connait c'est pour première fois Vallée la Tibonite trouvé dans état comme ça côté pas gain aucun canal qui gain ti goud l'eau qui a coulé là-dedans yo. Paysan planté yo mandé est-ce que c'est un plan yo gagné pour finir avec yo parce que depuis pas gain de l'eau après plus misère dans vallée et pas parler au vallée avec non de l'eau pour nous dans canal là pour débloquer route là c'est même gens tout après l'index ça veut pas problème là c'est nous même qui te lever camper nous te dit Gennady à l'asso ça que nous a fait soit nous mourir soit vivre nous te genou souffre nèg yo même bœuf nous pas regarder parce que bœuf pas rajouter moi pas rajouter de l'eau obligé vendre yo même cabrit nous pas rajouter de l'eau cabrit pas boire de l'eau qui paraît même boire de l'eau cabrit pas rajouter de l'eau pour boire si neven le matin pour nous genou de l'eau nous obligé à acheter de l'eau $40 $40 dans mes machines qui achètent de l'eau dans Yaya, juste pour nous gagner de l'eau pour nous boire, pour nous manger. Ça veut dire, même la rivière sale. Pour nous aller dans la rivière sale, nous allons garder là-dedans. Nous venons là, depuis 14 matin, nous venons là, nous bloquer. Revendication est très importante, parce que les pas bon pour nous, nous pas une charge, mon ati bon qui va travailler, qui fait nous pas une charge. Le venons là, nous voulons deux gènes de monde et puis nous tournons à vide. Avec ce que il fait pas sur tout côté de tout le monde. Il n'y a pas qu'à manger, pas qu'à boire. Et spécialement, président mandat fini, Jovenel Moïse, il a dit qu'il pas respecté aucune promesse, il a fait paysan, il n'a pas la Tibonite. Pendant, il a promis pour continuer, bloquer chaque jour, route nationale numéro 1, sorti 4 dans le matin, pour arriver 4 dans l'après-midi, jusqu'à ce que Jovenel s'est cherché, qui s'est barré de l'eau pour travailler à Deyo. Merci, Mitsa Madeus, collaborateur nous, Mitsa Madeus, parlez nous de mouvement, protestation, paysan, yo, APF, dans Vallée de la Tibonite, spécialement dans la zone Mopey, côté, yo, mandé, pour responsable, ministère agriculture, yo, bayou de l'eau dans le canal, yo, pour capable, oser jardin, yo, pour faire manger,
puisque à la Tibonite là c'est de ça ils vivent. Gen Rotary Club dîner pas dans tête collée avec plusieurs autres partenaires inauguré depuis journée dimanche 23 mai 2021 dans 3e et 5e section commune Cavaillon dans cadre d'un projet pilote cap exister pour plusieurs côtés dans pays a d'après une correspondance collaboratrice non Rosbetta Denistan. Puis ça yo fait dans l'idée pour permettre moun cap vive dans zone Labiche 3e section ak Laving 5e section commune Cavaillon suspend marché plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau. Autorité locale yo qui content pour projet ça souligner c'est dans en pile péripétie pour citoyens te à chercher ti de l'eau dans source parfois qui pas même propre pour être capable vivre. Communauté a nous pas gagne de l'eau. Nous pas gagne de l'eau c'est dans petit source qu'on a prend ti de l'eau. Fou mal à bout. Nous était qu'on a prend. Je dis à son grand joie pour nous. Nous content en pile parce que nous avons de l'eau traitée, de l'eau potable, de l'eau frappée. Nous ne pouvons pas venir de l'eau, mais grâce à Haïti, Autriche, à toutes les partenaires du État, nous venons de l'eau. Et nous avons les têtes sources, nous avons marché plus de 2 km environ pour nous arriver dans la tête source pour prendre l'eau. Depuis ça, nous faisons partie d'un projet pilote qui a exécuté dans 4 communes différents départements pays. Selon passe gouverneur Rotary Club District 70-20, Dr. Robert Léger, qui fait connaître ce dîner pas même qui identifie zone intervention. Ancien gouverneur a souligné ces Rotariens eux-mêmes qui contribuent avec fonds pour projet ça capable de réaliser. Directeur dîner pas demandé nous pour nous prendre 4 communes pilotes. Parmi lesquels Cavaillon là-dedans, il y a Ferrier, dans le nord-est, il y a Terre-Neuve, il y a quoi des bouquets. Donc, pratiquement, il y a motivé Rotarien, qui baille cotisation, il y a un bras charitable de Rotary, les fondations Rotary. Nous travaillons à travers fondations en tout, qui pratiquement, et ben nous bourrade, pratiquement, les matchs fonds que nous avons. Directeur Rotary Club Okaïla, Joseph Poitvin Durand, fait quoi? C'est pas seulement dans la question de l'eau, Rotarien a intervenu. Mais il a déjà participé dans la réalisation de plusieurs projets dans le domaine social, surtout si là, il est capable de contribuer dans le développement du pays d'Haïti. Pas seulement pour ça, seulement dans les affaires de l'eau, Rotary a aidé à travers 6 axes stratégiques, l'eau. C'est une là-dedans. Donc, par exemple, à Berrette, là, nous avons l'école que nous faisons projet district là-dedans. Donc, nous avons 22 bancs. Et deuxièmement, nous faisons 3 classes de salles. Donc, on a intéressé à tout le bagage qui est dans le développement communautaire. Des localités Sayo qui situées à plusieurs dizaines de kilomètres centre-ville Cavaillon a confronté en pile problème selon citoyens qui citaient pas gain route, pas gain l'école près. Pendant que souhaité autorité concernée yo organisation bienfaitaire ta voyager garder conditions yab vive depuis Vilokaï département sud Rosberg Tadenestan Radio Pyramide. Merci Rosberg. Dossier politique porte-parole organisation PEP cap lutte OPL dans nos pays a Damas unique dénoncé OEA à communauté internationale li di cap chercher moyen organiser élection piqué collé pendant pays d'Haïti pendant qui était à pétaille banda dans tout pays a correspondant nous depuis nos pays a Jacques Geoffroy ba nos détails porte-parole organisation peuple cap lutter dans nos pays a Damas Ilouik fâché contre communauté internationale là et spécialement OEA pour être il décidé venir à parler à président Jovenel Moïse dans objectif pour organiser élection dans pays a Mouché Damas déclaré à cause insécurité particulièrement kidnapping nan qui pas suspend valet terrain élection yo pas priorité peuple haïtien en tout cas lui estimé ni référendum ni élection générale pouvoir place là compte organiser anessa pour al plonger nation dans plus crise ak instabilité. Malheur à celui. Malheur à moun sa yo, kap mene bataille sa. Mode bataille sa kap offre population. Ça veut dire mode goumen sa ki pa, population pa gen ken espoir. Il déboit ballon. Il va ki moun pou y compter sou li. Donc maintenant, les États-Unis a forcé nous entrer dans une élection avec un référendum pour remettre nous nos esclaves, malgré nous toujours nos esclaves, même si nous pas enchaînement, esclaves mentales. Mais les États-Unis veulent directement entrer nous plus toujours dans l'esclave avec référendum à travers de l'ancien président Jovenel Moïse. Mais pinga, pour me finir, peuple haïtien, c'est dormi l'abdomi. L'entendez le réveil,
on va dire bossal, on va traiter toute qualité, on va dire terroriste. Mais c'est bien pour terroriste, moi je pense que c'est monde au pouvoir qui terroriste qui a complété avec international là, avec le pays étranger au détriment des propres pays par eux. Pour finir, porte-parole organisation peuple cap lutter dans nos pays a exhorté citoyens yo lever campé pour forcer autorité centrale yo respecter droit yo tant que Jean maman loi 29 mars 87 là exiger ça depuis cap haïtien Jean-Claude Geffroy radio Pyramide FM. Merci Jean-Claude Geffroy, organisation voisin pour développement sud OVDS qui a réagi sur le projet abandonnement constitution et qui mandait tout un secteur dans le pays pour lever campé contre le projet ça et qui pouvoir PHTK a besoin installer dans le pays. D'après eux, c'est pour lever campé pour capable bloquer tout côté yo ta vle mettre bureau pour organiser référendum nan Ousbert Adenistan pour plus de détails. Organisation yo dans société civile là dans sud pas suspendre réagir sur question référendum qui a fait actualité à organisation voisin pour développement sud estime équipe en place là a travail pour capable réaliser référendum dans une façon pour capable protéger tête yo dans dossier Petro-Caribéa. France Joseph Fortuné, coordonnateur OVDESLA, mandé tout secteur pour camper en quoi contre projet ça, gouvernement en place la gagné pour capable bailler population en une constitution qui gagne face cachée. Tout ça qu'on a dans la proposition, c'est protéger la protéger les pouvoirs. C'est vrai que yo montré gon série de partis en de constitution qui dit que yo voulez pour que jeunes yo même yo rentrer activement la politique. C'est vrai que yo dit en de constitution que diaspora lui-même li capable de plein fouet vini fête politique en de pays et que même yo qui passe pour yo, mais c'est pas ça parce que parti caché qui gagne en de constitution ça en de référendum ça que yo même yo voulez peuple là à voter pour yo, c'est que yo même qui fin manger comme Petro-Caribéa, yo même qui fin gaspiller comme l'État, ou pas qu'a fait rien avec yo parce que yo même yo quitté parti caché ça pour que après yo ou pas qu'a juger yo et pendant que yo même y a là ou pas qu'a juger yo. Donc li pas vraiment pas normal pour que et peuple a marché non référendum de ce genre. Donc pour ceux et il faut barrer la route avec ça quel que soit possibilité qui venir. En tout cas, si un référendum qu'a préparé pour fête dans pays a département sud là pas gain aucune séance sensibilisation ni tout personne monde pas connaît qui ça institution qui là pour ça à régler dans dossier ça. Depuis Vilokay, département sud, Rosberta Denestan, Radio Pyramide. Il y a, pour Bibiti, il y a 17 personnes qui mourent dans COVID-19 pendant 3 derniers jours sur le passé là, dans le pays. 67 lots après ses voies soins, parmi eux, directeur général BM Padla, Fizeme Ignace Saint-Fleur, c'est dans l'hôpital, Mounsayo, t'apprend soin, qui ont mouru, et puis gagné 302 lots moun qui testaient positif, c'est ministre Santé publique là, docteur Marie Greta Wa-Clément, qui mettait bilan ça d'ailleurs, dans le cadre d'une conférence l'État bail ailleurs le 24 mai 2021, ministre Santé publique là reconnaît que l'autre monde toujours qui mourit mais qui trappé maladie mais il pas gagné détail sur moun sa yo. Docteur Marie Greta Wa-Clément précisé moun ki mouri yo c'est moun qui était contaminé et puis qui t'a presevwa soin dans l'hôpital. Nous invitons à écouter yon bout na déclaration ministre Santé publique là Marie Greta Wa-Clément. Nous sommes en date du 14 mai. Ministère Santé publique de la population a annoncé que il y a deux variants. C'est la première fois depuis 19 mars que le ministère Santé publique a identifié deux variants sur le sol haïtien et il a annoncé, il a confirmé, il a annoncé officiellement le 14 mai. C'est le variant brésilien et le variant anglais ou britannique. Donc, d'après toutes les données que nous avons, c'est deux variants qui sont vraiment agressifs à cause de l'immunisation et à cause de complications qu'ils sont capables de porter. Et d'après OPSOMS, nous classons jusqu'à 70 à 120% plus transmissibles que virus et de base, que souche
original. Donc ça c'est une première information. Et deuxième information, dans le site web 21 mai, nous gagnons, et pour toute période de 19 mars à 21 mai, gagnons 14 037 cas positifs, 292 décès, pour un taux de létalité de 2,08%. Maintenant, nos dernières 72 heures, nombre de cas confirmés pour dernières 72 heures, c'est 302 cas, 67 hospitalisations, 15 décès pour les dernières 72 heures, et m'insiste et vous me dites que ce sont des décès institutionnels. Ça veut dire que ce sont des décès que nous sommes capables de dire dans différents hôpitaux qui prennent en charge patients qui confirment et à COVID là, nous sommes capables de dire que nous avons 15 décès. Mais il y a des gens qui nous mettent à Kano, qui nous mettent dans d'autres conditions que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Mais 15 décès confirmés par le ministère de la Santé publique et de la Population pour les dernières 72 heures. Et dans le monde qui est affecté ou qui a virus, 44,5% c'est femmes, vous voyez. 55,5% c'est garçons. Donc, on a constaté les dernières 72 heures et tout. 50% de monde qui est infecté ont moins de 50 ans. Ça veut dire que le virus là est affecté aux populations jeunes. 75% de monde qui mourit dans les dernières 72 heures, c'est des monde de plus de 50 ans et qui gagnent des comorbidités. Alors, on pense que la presse est habituée avec nous, ça, mais là, nous parlons de comorbidité. Son monde qui a une autre, qui a une pathologie, une pathologie, tant que par exemple, vous pouvez prendre hypertension, un monde qui fait sucre, un monde qui fait asthme, un monde qui est obèse, et puis il y a une autre pathologie cardiaque, etc. Ben, ils sont formés des comorbidités qui fait que le monde s'arrête beaucoup plus mourir que le monde qui a une bonne santé apparente. Qui va bien comorbidité. Donc, on répète ça, 75% de monde qui mourent dans les dernières 72 heures, c'est des gens qui ont plus de 50 ans et qui gagnent des comorbidités. Ministère de l'Éducation nationale avec le ministère de la Santé. Voilà, on a écouté la déclaration du ministre de la Santé publique, là, docteur Marie Greta War et Clément lui-même qui t'a bailli détail sur quantité monde qui déjà trappé maladie qui mouri tout, il y a 17 monde qui mouri dans Covid-19 là pendant 3 derniers jours ça yo. 67 l'autre t'a recevoir soin dans l'hôpital. Monde qui mouri yo, eh ben c'est dans l'hôpital yo mouri et gagné 302 monde qui testé positif dans dernier 3 jours qui passé là yo. Ministre là fait qu'on a gagné l'autre monde qui mouri toujours dans Covid-19 mais yo pas rien détail yo puisque monde ça yo, yo même c'est la caillou yo mouri. Gagné plusieurs contractuels qui a travaillé dans centre Covid-19 dans l'hôpital la Providence Gonaïve qui poko touché comme l'état doyo depuis pandémie a été démarré dans pays a yo té planté piquet yo hier lundi 24 mai an, devant direction l'hôpital la Providence là dans Gonaïve pour réclamer l'argent yo dit l'état doyo contractuel ça yo fait connait c'est depuis mois mai 2020 yo té engagé yo ça fait yon l'année yo poko jamais joine yon pièce protestataire yo fait mais barrière l'hôpital là pour faire revendication passé contractuel ça yo promet y a peut continuer à mouvement jusqu'à ce que yo joine l'agent yo nous invite au côté yon parmi yo Romain journal qui t'a parlé dans non l'autre contractuel yo même qui t'a planté piquet yo devant l'hôpital la Providence Gonaïve hier dans journée 24 mai 2021. Nous avons un contrat que nous avons signé dans COVID-19 et directeur médical qui c'est Exen et puis directeur départemental là qui c'est Marcel Châtelier. Mais le contrat a duré 3 mois. Et 3 mois, le contrat ça que nous avons signé. Marcel te fait nous connaître que chaque mois nous avons joué de cobla et c'est si nous faisons un seul budget pour 3 mois. Mais pendant que vous faites le budget pour 3 mois,
chaque lè nous paraît, yo di nous décembre, yo di nous novembre, nous pas joun ka joun chance pour nous toucher, et journée jodi an, kontra gen 1 an, 15 jours. Non, nous apprenons l'autre monsieur. Nous apprenons l'autre monde qui te non, COVID là, ensemble avec nous, tout qui déjà touché, directeur médical là qui c'est Exen, lui fait connaître parce que l'employeur qui fait le toucher l'argent ça. Et nous apprenons de bonnes sources tout gen mis qui dit c'est à cause du mouvement là fait temps en temps qui fait ou fait chèque sorti comme employeur l'hôpital là pour yo, et puis nous même qui agent santé yo, nous pas joine un rien qu'on a là journée jodi là, nous voyons un message clair, n'a fait toute semaine là n'a mouvement nous là perturber l'hôpital là juste pour qu'a joine pour directeur à nous bouquer, nous pas capable parole encore pour le dire, ça l'a dit avec nous. Et ça l'a dit avec nous, c'est comme la boule tout dit nous, demain ou bien après demain pour nous connaître. Nous combien comme ça? Nous 12. Nous 12 agents qui pas touché. Et c'est nous 12 là même qui fait tout le temps côté au te fait pour te mettre baladio. Et c'est nous qui t'es là. Et bien, je ne veux dire là, nous même, nous faisons un message clair. Bah, ni ministre Margueta, ni directeur Marcel Châtelier, ni directeur Exen, qui est responsable de l'hôpital là. Et ils fait nous croire que finance gen kob, pour aller dans la finance pour vérifier. La finance n'a pas renoncé à ce système là. Là que nous avons contact nous mener avec les gens qui ont quelque petit bagaille dans le système là, ils ont relé nous, ils ont dit nous comme ça que gen bagaille qui vini pour l'hôpital là pour bailler COVID ça déjà. Mais je ne jodi an, nous même qui c'est agent, nous 12 là, n'a fait toute semaine là, n'a perturbé l'hôpital là et puis pour nous joindre ça cap vienne pour nous parce que c'est contrat nous te signé et nous te fait travailler chaque jour. C'est raison ça que fait nous fermer barrière l'hôpital. Oui, c'est raison ça même qui fait nous fermer barrière l'hôpital là. Nous commencer fermer barrière l'hôpital là parce que nous pas le fini. Toute journée n'a fermé et c'est si c'est parole pas bon pour nous encore. Gen même moun qui mouri. Des confrères nous qui mouri qui pas touché. Gen même en soi qui a parlé avec moi, nous sont déposé $18,000, $18,500 pour madame moi qui fait césarienne. Là que moi le directeur département là me dit prends bon mon chance. Il m'a trouvé 25 000 gouttes voyées pour me payer car bonne madame moi était dormi. Il dit comme ça, vous pouvez toucher l'autre semaine, on pas. Depuis qu'il a signé un contrat. Nous signé un contrat depuis mois mai. Mais qui année? 2020. Ou t'as pas écouté quelques contacts yo, naturellement c'est Romain journal qui t'a parlé, mais comme on peut comprendre, il y a plusieurs autres contacts qui t'a fait basse par en bas, yo m'a dit pour yo toucher l'argent, lui dit l'état de yo, il a travaillé depuis 24 mai 2020, donc yo gagne yon l'année depuis a travaillé dans centre Covid là qui dans l'hôpital la Providence Gonaïve, yo pas jamais touché yon goud. Yo m'a dit faut que l'état paye yo, sinon chaque jour yo pral bloquer l'hôpital là. Gagne ministre éducation national là professeur José Kader Agenor qui a annoncé quelques mesures yo compte prendre dans domaine éducation en moment pandémie COVID-19 là a fait victime. Ministre Agenor Kader fait connaître li prend en considération évolution maladie qui frappait plus grand monde. Ministre là et indiqué en pile l'école a déjà commencé avec examen yo pour finir avec année scolaire pour examen officiel yo pas une date qui changer selon lui-même. Recommandation yo pas gagné et pour yo changer yo ben c'est seulement 26 élèves qui ont gagné pour chita dans salle examen yo dans l'idée pour protéger élèves yo contre COVID-19 là. Nous invitons côté Agenor Kader qui lui-même c'est ministre éducation nationale, ministère éducation nationale avec ministère de la santé puis tout ensemble et un protocole sanitaire pour l'école. Même pour apprendre l'existence de la maladie, pour les gens, nous sommes obligés de circuler dans toute direction de la contagion pour être capables de rendre public par le truchement de l'inspecteur, l'inspecteur district, l'inspecteur zone, pour nous faire un rappel de tout ça fait dans le protocole sanitaire. Parce que même nous pouvons continuer avec la question de l'école là, avec un protocole sanitaire, pour nous capables de protéger les élèves avec adultes. C'est le sens
maintenant même, dans plusieurs départements, directeur de la compagnie, rencontré avec chef d'établissement pour capable faire suivi sous le sphère protocole sanitaire. On est vrai que Jean-Collègue l'État de Dille, groupe LMU, pas tellement visé et nous sommes passés là, nous avons arrivé plus de 50 ans et nous qui présentons tout de mobilité, mais il faut nous protéger LMU quand même, dans ce sens-là, nous venons nous payer de l'autre côté, toutes les parents pays à nous dire là, nous avons presque enfermé et approché vers les examens de fin d'année. Malheureusement, pour résoudre de l'autre, l'État des îles, groupe LMU, pas tellement visé et nous sommes passés là, nous avons arrivé plus de 50 ans et nous qui présentons tout de mobilité, mais il faut nous protéger et nous quand même, dans ce sens-là, nous venons, nous payons de l'autre côté, toutes les parapéries à nous dire là, nous avons presque enfermé, d'approcher vers les examens de fin d'année. Malheureusement, pour résoudre de l'autre, le ministère de l'Éducation nationale pour examiner l'État et à des sahas, vous pouvez voir, même si on a fait l'année passée, les régularistes qui ont fait déjà 26 élèves en salle d'examen. Et nous avons eu tous les conseils, nous avons eu le directeur de la cantale et chef d'établissement, nous disons que plusieurs méthodes sont capables d'appliquer pour continuer avec ce réforme-là, pour nous protéger nous. On t'a écouté ministre de l'Éducation nationale là et Josué Agénor Cadet lui-même qui t'a bailli à détail sur mesures yo compte prendre dans domaine éducation pour capable protéger population étudiante là contre Covid-19 là qui a fait victime dans pays là et il dit que pour examen officiel yo pas de date qui changer seulement lui recommandé pour gagner seulement 26 élèves dans salle examen yo dans l'idée pour protéger et l'évio gagné couvre-feu gouvernement décrété sur tout territoire pays a sorti 10h du soir pour arriver 5h du matin. Décision ça a sorti dans un arrêté et puis il est valable pour 8 jours dans objectif pour combattre pandémie coronavirus là. Faut dire que à cause de mon directeur général ONA mettant Chesnel Pierre ministre affaires sociales Marie Ghislaine mon premier annoncé yo prend décision fermer bureau ONA Pétionville pendant 3 jours dans objectif pour capable désinfecter espace là comme ça ministre là mandé tout employé ONA Pétionville pour rester chez à la caillou pendant 3 jours ferme ici là une façon pour capable permettre que yo désinfecter local là et retirer tout microbe, tout virus corona qui lui-même dans l'espace là puisque c'est dans bureau ça Chesnel Pierre directeur général là lui-même lui gagne un bureau lui et c'est dans espace ça tout que il gagne sécurité avec l'autre monde qui était toujours frotté avec lui donc pour précaution yo mandé pour gagner une quarantaine qui prend bon côté employé yo et yo pral désinfecter espace la yon jan pour ta capable touye virus corona qui li même ta chita en dedans local dans sila c'est même décision ça faculté sciences humaines prend côté annoncé yo fermé porte institution pour 7 jours porte faculté après l'ouvrir 31 mai qui a venu là pendant ce temps étudiants invité pour yo porter masque pour yo capable venir suivre cours après date sila et yo pral mettre plusieurs points de l'eau dans la cour dans rentrer faculté pour permettre aux étudiants capables de laver mais yon jan pour capable diminuer propagation virus là. Gagner 130 000 doses vaccin AstraZeneca qui doit arriver dans le pays en fin mois juin qui a venu là. D'après ministre de Santé publique et population Marie Gretawa Clément, vaccin ça a capable couvrir seulement 20% population. Ministre l'a tout annoncé vaccin l'IPAP obligatoire. Directeur général du ministère de Santé publique là, Laurie Adrien annoncé que gouvernement
gouvernement pral lancer campagne là sur tout le territoire pour yo capable kwape variant coronavirus là avec vaccin AstraZeneca. N'a pas fait connaître que c'est un vaccin qui est développé dans l'université Oxford pour combattre la COVID-19 là. Dans un premier temps, Haïti pas voulu recevoir avec cargaison vaccin ça de OMS qui yo même te voulu voir le vini parce que d'après information qui t'a circulé, vaccin ça a semblé lui gagner plusieurs effets secondaires, surtout lui capable de coaguler sans monde, donc lui capable de faire sans arrêter bloqué et comme ça ou capable de perdre la vie ou. Mais le gouvernement a changé d'avis puisque il dit que vaccin ça a lui-même t'assemblé les très efficaces pour variant brésilien et variant anglais qui gagnent dans le pays. Donc c'est 130 000 doses qui pral gagner pour arriver. D'après directeur général du ministère de la Santé publique, là, il a déjà pris disposition pour lancer campagne là. Qu'on y a ces mesures à mettre en place une fois vaccin arrivé pour être capable de vacciner tout le monde dans le pays. Nous invitons au côté directeur général de Santé publique là, Adrien. Nous avons remonté le cas de COVID-19 dans le pays. Et remonté ça, il a accompagné tout de l'augmentation du nombre de malades et du nombre de monde hospitalisés. Nous sommes capables de dire que le nombre de monde qui mourent tout par rapport au coronavirus, donc avec la COVID-19. Donc il est important pour nous faire point ça pour la presse, pour nous connaissons qui c'est relève à la population, et pour faire un message à passer pour nous que le coronavirus, l'île là, et lui a continué là, malheureusement, que c'est nous-mêmes qui devons respecter des mesures barrières pour protéger peut-être nous, non seulement pour ne pas attraper, mais nous allons continuer tout à faire propagation. Et puis, il y a un aspect qui est très important, tout c'est l'aspect qui vient développer avec présence de nouveaux variants observés dans le pays. Hein. Nous connaissons deux nouveaux variants, deux types de variants, variants positifs et variants anglais, ce qui vient même et qui dominent. Différent par rapport à l'agenda. Nous devons parler de tout sur après vaccination. Hein. Non seulement nécessité pour la population vaccinée, pour éviter la propagation de maladie à grande échelle, mais pour éviter tout si jamais il y a des gens qui prennent pour ne pas faire forme grave maladie, pour ne pas mourir. Ce vaccin a été fait ça tout protéger contre une forme grave maladie. En gros, c'est ça. Donc, c'est pour moi-même son campagne de sensibilisation et de communication. Il commençait et moi compter sur la presse, même dans le pays de nous en première phase, pour continuer de nous en phase. Et cette fois-ci, nous avons besoin plus d'accompagnement parce que la situation est plus préoccupante. Il y a tout un ensemble de bagages qui vont mettre en place. Parce que là, on a parlé de vacciner un grand nombre de monde dans la population. Bon, évidemment, comme vaccin, il n'est pas contraignant, il est volontaire, mais nous espérons qu'il y ait un peu de monde qui a pris conscience des besoins qu'il y a pour vacciner et qui a pris une vaccine. Donc d'abord, il faut que nous préparions la chaîne deux fois. Nous avons mis toute logistique là pour qu'il y ait un vaccinateur. Pour qu'il y ait un vaccin, il faut que nous préparions le vaccin et nous recevons le vaccin. Nous devons préparer le vaccin, il faut que nous ayons un minimum de formation. Il s'agit d'un vaccin nouveau. Donc, il faut que nous soyons capables de dire qu'on est habitué avec le vaccin pour qu'on ait des gens pour le faire. Et puis, il y a une infrastructure même pour supporter le vaccin. Si nous parlons de vaccin dans nos zones, comme il y a un transport vaccin qui fait pour respecter les chaînes deux fois, pour que nous devons faire le vaccin, accompagner le vaccin, les vaisseaux sur place pour le faire, etc. C'est bien conseil d'arrangement. Et c'est sur ça que le ministère travaille pour justement nous recevoir la première dose pour nous capables d'utiliser tout de suite. Ou t'as pas écouté Lauré Adrien qui c'est directeur général du ministère de santé publique qui lui-même fait qu'on est là, il est déjà prêt à disposition pour qu'il soit capable de recevoir 130 000 doses vaccins AstraZeneca de OMS et Organisation Mondiale la Santé qui lui-même fait qu'on est qu'il faut 10% population dans tout pays sous la terre prend vaccin, c'est la seule façon qu'on est capable de limiter la propagation maladie. Gagné Patrice Dumont, qui est sénateur, qui fait qu'on est que 130 000 doses vaccins, c'est un jouet, puisque dans le jour qui prend le vinilayo, prend la disposition qu'on prend pour que plus le monde monte avion, faut prendre vaccin ça. Et Patrice Dumont mettait en doute également capacité et réelle volonté gouvernement haïtien pour capable vacciner toute la population. Nous invitons au côté Patrice Dumont. D'une part, faut que nous reconnaître que Jean-Marie l'a présenté là
on l'État pas capable de décider de pas bailler vaccin. Parce que pas prendre vaccin, il est capable personnel, mais l'État t'a obligé d'entrer dans ce boîte là. Tout ça, l'État obligé d'entrer là-dedans. Parce que déjà, il commençait à dessiner, il commençait à paraître. En pile pays, pas d'accord et que étrangers, ni même ressortissants qui sont à l'étranger, entrer dans le pays, par aéroport, par port, quel que soit gens lié, sans y pas vacciner. Son bagage pour ça qu'a préparé là. Les gros pays a fait, on a parlé de les pays de l'OCDE, on a parlé de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, d'un pays européen. On a parlé des pays comme le Japon, comme la Chine, on a parlé certainement des États-Unis, du Canada. Ben, elle a dessiné là, vous avez parlé de un passeport Covid, un passeport santé. Si ou pas gagné, par exemple, en République dominicaine, et nous avons dit si ou pas gagné une preuve que ou t'es fait test là, il dit négatif, ben, ça c'est ça qui gagne actuellement. Mais prochainement, il apparaît si ou pas prendre vaccin ou pas monter avion. Il apparaît ça. Ça. C'est ça qu'a préparé. Alors, pour nous retourner ici, l'État ici m'a dit ça, il faut que nous fait test, faut que test négatif là pour nous prendre avion. Je ne suis pas d'accord pour monter avion si nous pas de test négatif là. Alors, face à perspective ça, l'inormal pour y régler affaire vaccin. Mais lors de 130 000 vaccins, on ne peut pas dire rien là. Parce qu'on a parlé d'une population qui, comme Tiviti, 9 millions de monde. Alors, qui vaccin tout? Qui vaccin tout? Et qui est mobilisation, motivation qu'a gagné pour monde accepter un vaccin, pour monde obliger prendre vaccin? Et qui est légitimité, qui crédibilité que le gouvernement a gagné? Pour mon croyant, parce que gouvernement qui de facto a là, président qui de facto a là depuis 7 février 2021, c'est habitude li, c'est comme ça y est, faut le bail menti. C'est tout de suite après que misère 12 mars là est passé. Et de même tout, c'est question électricité. Et ces questions que vous avez caravane, etc. Donc, ou pas qu'à laguer corps net non pareil de gouvernement parler de vaccins. Et puis, à ce cas-ci, moi, quoi, faut gagner en pile, point de vue scientifique qui émet, en pile avis scientifique, pas point de vue, avis scientifique pour le monde qu'on est. Non, qui sort ce qu'il a mangé ou. Parce que là, on a parlé de vie humaine, on a parlé d'Haïti, on n'a pas parlé de tibaraï privé. Voilà, au tap côté déclaration Patrice Dumont, sénateur Patrice Dumont, lui-même qui c'est sénateur de la République, il a parlé de vaccins qui gagnent pour entrer dans le pays à 130 000 doses que l'Organisation mondiale de la santé a fait Haïti cadeau pour capable commencer à vacciner la population. Et vaccin ça a gagné pour arriver dans fin mois juin qui a venu là. Mais Patrice Dumont a mis en doute la capacité du gouvernement, ça, qui c'est un gouvernement de facto, qui pratiquement pendant la parler de COVID-19 et puis a fait des bagailles qui pas marché avec décision qu'il doit prendre pour stopper maladie coronavirus là. Il rappelé pendant qu'on a fait ravage, c'est laissé au gouvernement décider à faire carnaval côté tout le monde sans masse, sans tapis à yad koyo, yon kole à clot. Voilà que je dis à mes gagnés coronavirus là qui a fait un pile ravage, un pile moun a mouri dans dernier jour ça yo, un pile moun malade ça qui testé positif, ça qui à l'hôpital mais ça qui pas aller tout, qui a perdu la vie, moun pas connait, un pile moun a mouri. Ou senti que population elle est pas tellement bay ça importance, parce que même question masse là, pour juste qu'on y en a parlé là, c'est quelques grains moun ou ka croisé dans la rue qui pote masse malgré maladie a fait un pile rage, malgré un pile moun qui a souffri qu'on y a, et un pile signe montrer que c'est coronavirus yo fait rapide.
rapidement quelques points nous ont développé dans le journal là parce que les a déjà arrivé sur nous. Pour les petits, il y a 17 personnes qui déjà perdu la vie en bas COVID-19 là, environ 70 l'autre parmi le directeur BN pas de la fille de Ignace Saint-Fleur qui a même infecté ministre santé publique là Marie Gretawa Clément mandé population pour capable prendre bon jamais mesure pour bloquer propagation coronavirus là. Dans ce sens, le gouvernement a décrété couvre-feu sur tout le pays, a sorti 10h du soir pour 5h du matin. Décision ça, a sorti dans un arrêté et puis il va là pour 8 jours dans l'objectif pour combattre la pandémie COVID-19 là. À cause de mon ancien directeur ONA, M. Chesnel Pierre, ministre des Affaires sociales, la Marie Ghislaine, dans mon premier annoncé, il prend décision fermer bureau ONA Pétionville là pendant 3 jours dans l'objectif pour être capable de désinfecter l'espace là. Comme ça, le ministre l'a mandé tout employé pour rester chez la caillou pendant 3 jours. Fermé ici la faculté sciences humaines a annoncé qu'il fermait porte institution pour 7 jours. Porte la faculté a payé l'ouvrir traité, mais qui a venu là pendant ce temps, ça étudiant a gagné pour mettre masque dans la figure et puis il a mettre plusieurs points de l'eau dans la cour pour être capable de laver, mais avant de rentrer dans la salle classe. Gagné 130 000 doses vaccin AstraZeneca qui doit arriver dans le pays en fin mois juin qui a venu là. D'après le ministre de la Santé publique et la population, Marie-Gretta Clément, vaccin ça n'est pas capable de couvrir seulement 20% de la population haïtienne. Et puis tout, il n'y a pas un vaccin qui est obligatoire, sauf pas vous ne doit pas prendre. Cependant, d'après Patrice Dumoulin, pourtant pile pour tout le monde pour vaccin ça, puisque dans le jour qui a venu là, vous êtes capable pour voyager, pour monter avion, bateau, ou bien n'importe quel autre moyen de transport. Ou a besoin gagner passeport sanitaire côté ou pouvez ou prendre vaccin si là comme ça Patrice Dumont 130 000 de doses là trop petit et puis il pas quoi tout dans volonté gouvernement haïtien gagner pour capable bailler tout le monde vaccin tout bon vrai et puis gagner monde qui t'a travaillé dans centre COVID-19 dans l'hôpital Moine Blanc dans l'hôpital la Providence Gonaïvio yo t'ai planté piquette ailleurs pour demander l'état payer 12 mois ayez salaire ou dit ou pas yam touché. Donc yo dit si ou pas touché chaque jour y a bloqué fonctionnement l'hôpital là. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien. Passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.